Lundi 8 novembre 2021. C'est encore avec quelques contents frères et sœurs nous rencontrer dans le travail là et nous dit l'Éternel merci parce que l'Éternel parle à nous. Ah ouais, il parle à nous, on dit merci pour ça et on peut commencer rapidement par la prière. Père Saint, notre Dieu, notre libérateur, nous te remercions pour nous, pour grâce ou pour miséricorde ou envers nous, l'Éternel, Papa, pour pouvoir qui pas jamais affaibli, cher Seigneur. Merci, merci pour bonté, l'Éternel, Papa. Dans mon moment, ça, l'Éternel, Papa, nous l'aguer dans mon frère Boubé Aristide, avec toute famille, Dieu, en Artex et Fanon sur service, et nous l'aguer dans mon sœur Margaret Abelas, et chez la Zéphirin, la famille d'or, et frère Peter Thévenin, et Jean-Emmanuel d'Orléans, et frère Wilman Toussaint, et surtout l'Éternel, Papa, nous l'aguer, et Jesus compagne ou ving nan mon Dieu tout puissant et nous mando continuer répondre grâce ou l'Éternel Papa Dieu en Atexen Fanon sous service le groupe Sabéos tout nan mon l'Éternel Papa la gese beti ve Dieu pour me les frères et c'est Dieu frère et c'est pasteur Lixon vers Dieu nan mon avec toute famille l'Éternel Papa nan moment ça nous connaît chez Seigneur c'est seul ou même nous pas rien l'autre encore la famille Paul nan mon Dieu tout puissant Papa. Et la famille Charles, nous l'avons dans mon moment, ça, l'Éternel. La famille Gélin, l'Éternel. Nous l'avons la famille La Fleur, frère Naël, avec toute famille. Frère Sœur Félix, dans mon Dieu Tout-Puissant, frère Maxo La Fleur, et Maxo Brisa, Maxo Parmélis, tout Maxo, nous l'avons tout dans mon frère Raymond, André, Raymond Joseph, dans mon Dieu Tout-Puissant. Frère Angladgué et Franchette Laurent et nan mon Dieu tout puissant et Marine Chantal tout nan mon et Jonas et cetera l'Éternel tout nan mon non la gue tout nan mon Dieu tout puissant et nous mandons l'Éternel Papa et rete avec l'Éternel frère c'est Roman Louis et non la gue nan mon frère Monise et sœur Monise non la gue également nan mon et sœur frère c'est Edson frère c'est et Max Henry notre ami notre sœur et Rosmika on la gueule dans mon Dieu tout puissant et nous mandons répondre grâce dans la vie au frère c'est Prisner et frère Leslie Zéphirin nous la gueule pasteur Genel pasteur Poussin et pasteur Louis Saint également nous la gueule tout dans mon Dieu tout puissant et pasteur Tico et frère Assonel frère Maxon et nous la guerre tout dans mon Dieu tout puissant et nous la guerre l'Éternel frère c'est Dédi frère c'est Dixon cher Seigneur nous la guerre dans mon et nous mando continuer kembe on travail et la famille gentille tout dans mon l'Éternel Papa et diriger orienter frère c'est Vincent Jacques cher Seigneur nous connaît que vous avez c'est Julie Placide nous la guerre dans mon Dieu tout puissant et nous la guerre tout monde qui a un projet mariage pour fin d'année à la tout dans mon Dieu tout puissant ça occupe près ça occupe loin donc tout dans mon l'Éternel Papa et nous mando faire grâce au cher Papa parce que c'est nous même pas gain l'autre encore que nous béni que nous glorifier cher Seigneur nous content tourner encore frères et sœurs dans travail là et nous pas jamais bouquer dit l'Éternel merci pour grâce li pour monde que lui manifester envers nous et nous tourner encore dans Romain dans Romain là c'est Romain a mené non sérieusement et gros parole Romain chapitre 9 et nous mando ouvert corps pour prendre l'évangile ouvert corps pour prendre l'évangile alors nous pas jamais bouquer d'où ça dans dernière étude nous te fait là et l'Éternel côté Isaïe t'a parlé il dit qu'un paquet israélite non bio comme le sable de la mer pourtant c'est on reste seulement cap sauvé alors frères et sœurs et nous voulons comprendre que même les non abdou que israélite là c'est un peuple bon Dieu lié et effectivement c'est peuple bon Dieu parce que c'est un peuple alliance mais cependant m'pa vle comprendre que l'Éternel a seulement la gué sauvé à baio si yo même yo pas besoin sauvé à non et pas comme ça ça fait donc nous gain plusieurs textes bibliques qui montrent nous ça c'est peuple bon Dieu a créé toute occasion baio pour ta sauver mais l'Éternel va pas longer la vie éternelle baio pendant que yo pas sauvé et ça me remet dans l'Éternel là parce que nous content de gain monde qui destiné pour sauver à l'a sauver quand même
moun n'a sauvé les cœurs moun n'a changé si cœur moun n'a pas changé m'pa cacher des dos l'Éternel va prendre sauver à tellement sauver à son bagage qui précieux l'Éternel va prendre ni la gueule dans mon monde qui pas besoin de monde qui considère ça comme démagogie l'Éternel va prendre la gueule amen donc question moun qui a mauvaise conception mauvaise interprétation de la parole de Dieu c'est pas du tout pas du tout ça lié. Alors, je dis à la frères et sœurs, n'a pas continué, n'a pas lié à partir du verset 28, ou au même chapitre 9 à partir du verset 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Frères et sœurs, nous, les hommes, on fait ça, l'idée, vous voulez sur la terre. Vous comprenez la terre, c'est pour vous lier. Gonjou ka privé, tout ça, l'Éternel, de gen à l'esprit, il privé pour le sur la terre, la privé, oui. Et tout bagay nous, on a fait kouni à l'âme. Qu'on dit non ça déjà. Moi, je voulais continuer, dit non. Ouais? Tout ça, nous, on a fait sur la terre, là. On dit non ça, et je voulais continuer, dit non. Et la bagay ka privé comme ça, comme si même là, nous, on a conseillé des gens qui agissent très méchamment à l'égard du monde. Mais ce bagay, et qui te planifié la terre vini agir mal contre l'Éternel pour tomber en bas événement ça oui parce que tout le monde capable conclure que n'a vive yon la terre dépravée détériorée corrompue dans époque n'a vive là mais sinon on la terre comme ça frères et sœurs non pas qu'à mettre en tête non bagaille yo pral marcher bien dans la terre ça non, pas qu'à mettre dans la tête, non, la terre a marché bien là, et parce que, non, effectivement, frères et sœurs, nous devons être conscients que nous vivons mal. Nous vivons mal en dehors de la volonté de Dieu. Nous vivons mal, nous faisons pile mauvais bagaille. Bagaille que bon Dieu, pas jamais prendre en main, non, frères et sœurs. Alors, et Paul l'a dit là dans verset 28 là, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ah non. Ouais. Bagay nèg ka pran pos go colette, c'est le droit. Blague. L'Éternel, jour l'Éternel la gen pou le vini. La parole de Dieu parle du jour de l'Éternel. Jour l'Éternel là, son jour, elle a vini quand même, elle a vini avec fracas. Et comme Esaïe, dans verset 29, l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Frères et sœurs, ça non, yo di non ki rete yo. Le monde qui a servi bon Dieu, c'est par la grâce, pas oublier, c'est pas mettre l'Éternel, mettre nous, comme si m'ta dou non mesure, li rend compte nous tout juste. L'Éternel joue un petit bagaille dans nous-mêmes, petit bagaille li joue comme si t'a joue un petit brin de vie dans nous-mêmes, petit brin de vie à li kembel, et li font série de travail avec nous. Vous comprenez? Mais, pas gen moun ki pral sauver parce que moun nan te bon, moun nan tap servi bon Dieu fidèlement, etc. Non, l'Éternel jwenn yon ti brin nan nou même parce que fòk nou konsyan gen lè nou pran exemple yon patate ki gen maoka la dan, yon yam ki gen maoka la dan ni. D'accord, là on dit maoka son série de bêtes qui en dedans qui fouillent tout en dedans pour manger yo, pour gâter yo, ça arrive pour patate, arrive pour yam, pa konnen pour l'autre bagay yo, même dit ça me connaît bien. Eh bien, et si on nous gagne ma oka dans nous-mêmes, en don gâté, ou pas pour le bénéficier de ça, l'Éternel dit sous pour le faire là. L'Éternel, où est sa parole là, dit là, dans Esaïe, lui dit que, comme l'avait dit Esaïe auparavant, si l'Éternel les armées, pas ta quitte ton prospérité, et pas te laisser son prospérité, nous tapons comme Sodome. Et nous avons assemblé avec Gomorrhe. Et nous connaissons Sodome et Gomorrhe. Ça a été arrivé pour vous. Comment l'Éternel disparaît. Hein? Comment c'était des bagailles tristes qui étaient arrivées là-dedans. Mais c'est comme ça, ça a été, frères et sœurs. Alors, que moi-même avant, nous comprenons que si les nappes marchent souffrent sous nous là, c'est grâce à l'Éternel fait nous. Et m'a dit non ça pas comparer nous avec monde. Souvent, nous comparons avec monde en comparaison pour nous être plus bon que l'autre. Eh bien, pas gen yon nan nou même qui bon Dieu nous fait grâce tout simplement. Verset 30. Que disons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice.
la justice qui vient de la foi. Tandis que Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Bon, frères et sœurs, dis-moi bien, ça là, si je ne peux pas expliquer qui j'en ai fait comprendre. Et non, dis mon Dieu merci parce que l'éclairer non en ce sens. Alors, il dit que, comment tu as compris ça à côté de Oudoula, et n'a plus bien son question qui posait. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Et la justice qui vient de la foi. Alors, non qu'on est que frères et sœurs, effectivement, si nous permettons de dire ça, pas un ou pas même qu'on est sacré de la vie éternelle, ou pas ta cap chercher. Vous comprenez? Faut que l'éternel t'a mis en contact avec la vie éternelle d'abord, pour ta chercher, ou pas ta chercher la justice, ou pas ta chercher ça. Mais l'éternel, à partir de Jésus-Christ, et qui vient avec bloc la foi, amen, faut que nous disions ça bien, hein, de venir qu'on y a là, pas un ou venir comprendre. Côté lié à lui mal campé, l'Éternel chita li prend tout messieurs ça yo là bayon sacrifice les apôtres là bayon sacrifice moi même c'est samedi parce que l'Éternel voye en martyr au côté ou vie ou maltraité ou touyé ou etc pour la cause de l'évangile c'est un martyr l'Éternel voye pour au moins si j'ai nous même païen nous ta ouvert pour nous bénéficier de grâce l'Éternel. Cependant frères et sœurs Godou et tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. On comprend, nous. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que c'est pas la grâce. Mais les Israélites mettent en tête, c'est la loi pour mettre en application, pour avoir une justice là. Alors que la loi va gagner la justice là, dans les gens, on comprend, nia, les n'ont tenu compte de contexte, n'a pas parlé à l'Ancien Testament. Eh bien, il n'y a pas qu'à joindre. Et ça fait là, il dit non là, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice, ou pas tandis qu'il dit une loi de justice, hein, et n'est pas parvenu à cette loi. Pour qui ça? Parce que Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme prévenant des œuvres. Ah, frères et sœurs, c'est important oui pour nous comprendre ça pour qui ça Israël la direction de faire il pas de joindre et une loi de justification c'est parce que Paul l'a dit au verset 32 question à poser pourquoi parce qu'Israël l'a cherché oui Israël l'a cherché il pas cherché par la foi non par la foi mais comme prévenant des œuvres donc c'est par les œuvres qu'Israël l'a cherché mais eh bien dans ce cas il pas joindre comprendre. Et ce côté la chercher là d'ailleurs frères et sœurs il faut le dire et la parole de Dieu dit pas de gagner youn na juif yo qui dérivé pratiquer la loi ce petit bagay minime yo dérivé fait yo pas jamais arrivé pratiquer la loi bien mais ça fait et direction la loi yo te prend pour justifier yo pas joindre parce que la loi pas mesure pour permettre yon moun justifier ni pas permettre pour monde sanctifier c'est par la foi et qui la foi qui se dit en Jésus-Christ c'est ça pour nous comprendre alors c'est ça yo dit non là et yo dit non païen à qui pas t'ap chercher la justice li joine la justice qui vient de la foi là on vient parler de la foi en Jésus-Christ qui a accepté prendre pourtant l'autre yo même dit comme ça nous avons notre loi et c'est selon la loi nous allons chercher la justice malheureusement yo cherché yo gratté koyo yo pas joine jusqu'à ce que finalement frères et sœurs c'est très important puisque son peuple alliance yoté chaque lè m'a dit ça m'vle nous comprendre bien hein puisque son peuple alliance yoté l'Éternel pral créer occasion pour yo prendre parce que Jésus-Christ vient pour venir bien spécial pour peuple ça pour yo capable ouais mais côté yoté RT mais côté yoté fait échec mais côté yoté chuté hein mais côté yoté bronché ah tout verbe ça pour capable confirmer ça m'vle dire hein l'Éternel prend yo et l'Éternel a fait arrangement pour yo hein ou Jésus-Christ pour venir spécialement pour yo donc frères et sœurs l'autre bagaille non ouais là c'est que d'une et mais comme prévenant des œuvres
il se sont heurté contre la pierre d'achoppement. Ça on te voulait montrer là, c'est que vous comprennent que yo justice là pour chercher à ou sous les justifications pour chercher c'est par les œuvres. Eh bien, c'est là yo mangé gros poussio parce que la justice ne vient pas par les œuvres. Le salut ne vient pas par les œuvres, la sanctification ne vient pas par les œuvres, ça vient surtout par la foi en Jésus-Christ. Et il faut trouver d'abord la foi, après la foi, nous allons pratiquer les bonnes œuvres. Je ne dis pas que yon qui peut accepter bon Dieu, pas qu'à pratiquer bonnes œuvres, mais m'abdou sa bonnes œuvres là, pas mener au salut. Contrairement à ce que pensent les gens de l'Église catholique, non. Les œuvres pas bah la vie éternelle, c'est la vie éternelle qui suscitait les bonnes œuvres. Ça veut dire faut sauver d'abord. Faut sauver d'abord pour pratiquer les bonnes œuvres. Donc si on monde comprend que et devant bon Dieu pour aller parler avec panier bonnes œuvres et pour aller sauver ou chire quoi pour si la ben. Comprendre c'est leur croire en Jésus ou la foi en Jésus et ou bénéficier grâce là. Et ce qui est drôle, je le dis, frères et sœurs, sous dans l'Église catholique, sous dans franc-maçon, ou dans rose croix, dans toutes sortes de cap toujours, ou pas bien la foi du salut là. C'est volte de face pour faire, c'est changer pour changer fils ou d'épaule, les venir pour joindre la vie éternelle dans Jésus-Christ. Même l'on dit m'dou ça ou pas d'accord avec ou gen doit pas d'accord, ou gen doit pas d'accord, mais l'on arrive dans l'on t'a montré tout bon à chercher l'éternel. L'éternel a mettre dans diagonale là, oui, pour juger nécessaire. Là, côté m'rive à là, m'a gen l'autre bagaille qu'a fait. Donc, tant qu'on a toujours dit, frères et sœurs, mon cap met dans tête, yo l'aime pratiquer les bonnes œuvres. Avec les bonnes œuvres, m'a joindre la vie éternelle. Non. Et regrette ça pour vous. Non, regrette ça pour vous. Les œuvres n'ont rien pour voir à la vie éternelle. C'est pas eux qui ont ouvert route la vie éternelle, là, c'est la foi qui a ouvert. Et c'est leur fin ouvert la foi, les finis toutes œuvres, vous, ils ont pris l'importance, leur fin de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Et pas parce qu'on fait orphelinat, et pas parce qu'on fait l'école gratis. Et pas parce qu'on fait l'hôpital gratis qu'il faut sauver pour ça. Non. Et pas yo. Et tout l'autre mauvais bagaille qu'on fait yo. Et tout saint qu'on va adorer, tout saint dindin qu'on va adorer, tout mauvais esprit qu'on va interpréter, qu'on va interpeller yo. Hein? Et yo. Bon, de quoi yo en contradiction à l'éternel. Yo en opposition à ce que Dieu veut. Ah, frères et sœurs. Alors, Paul a dit dans verset 3, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement. Et un rocher de scandale, celui qui croit en lui ne sera point confus. Alors, frères et sœurs, chaque thème, yo, chaque verset, yo, faut que nous comprenions bien. Ça veut dire, l'Éternel dit, je mets en Sion une pierre d'achoppement. Il dit pour les gens qui comprennent que c'est avec les œuvres, ils vont arriver justifiés. Comprenez, l'aime dit justifier à m'vle, clé avant encore, le nom dit justifier, c'est avoir la vie éternelle. Et l'aime dit sanctifier, c'est la même chose. Paraître devant l'éternel comme juste, paraître devant l'éternel comme saint. Ah, mais là, et yon montre que Paul l'a dit là, je mets en Sion une pierre d'achoppement. Donc l'aime, on a mis dans tête li. N'est-ce que la passer pour le joindre libération, c'est pas là, ça y est, en meilleur de son pied d'achoppement. Et l'Éternel dit, n'a plus devant l'adversaire, et un rocher de scandale. Mais côté où passer, c'est pas là, ça y est, dans des frères, c'est pas là, ça y est, et pour justifier. Pourtant, il dit, c'est lui qui croit en lui, croit en Dieu, et croit en Dieu, ne sera point confus. Ça veut dire confus. Ou pas tomber dans la confusion, ou pas tomber en bas main diable là, si ou croit dans l'Éternel. Si ou croit dans l'Éternel, ou pas tomber en bas main diable là, frères et sœurs, pour diable ta joindre pour le soucer ou tant que diable disposé pour le faire déjà. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, nous même avant nous connaissons que c'est par la foi pour nous joindre le salut. D'ailleurs, notez au verset ça qui dit le juste vivra par la foi.
le juste vivra par la foi. Quel que soit le personnage là où est là, s'il est juste, c'est pour le disposer, pour le vivre par la foi. Alors, et si nous faisons un petit résumé, puisque nous avons fait un chapitre là, après, depuis le commencement du chapitre là, et côté serviteur, a dit que conscience dit clair, il rend témoignage par le Saint-Esprit, et il te montre tout, il y a quelqu'un qui a pile chagrin là-dedans, il a éprouvé une grande tristesse, parce que il a aimé lui-même pour le séparer de Dieu et de Christ en faveur de ses parents, ses frères, mais il n'est pas capable parce qu'il est arrivé devant un bagage qui est trop pour lui. C'est l'Éternel même qui mettait là, d'ailleurs, on connaît pas, on l'a dit, l'Éternel venait pour créer et obstacle à la division entre les parents. Si on n'a pas sous même direction avant, ou obligé Marie Saint pour servir bon Dieu pour pas prendre même en gavel parce que en la prend la li incompatible à l'évangile de Jésus-Christ là là il dit là et il te li montrer là et il obligé séparer de ses frères de ses parents dans la selon la chair qui peut être alors c'est pas peut-être c'est israélite yo gagne l'adoption yo gagne la gloire yo gagne alliance yo gagne la loi yo gagne cul là-dedans yo hein pour yo gagne promesse yo et patriarche yo gens ont travail selon la chair mais yo dou tout monde ça yo pour yo bénir pour yo joindre ça yo besoin jeune là c'est pas la grâce pour yo joindre et donc et c'est la et les œuvres ousman la foi et la loi hein et toute l'autre bagaille a fait yo pas aidé yo rivé là notez ouais tout pour là t'insister sur Abraham et t'insister que mais c'est Abraham l'Éternel t'a pral prendre un groupe monde pour li t'a pral prendre un monde pour te venir former la nation juive. Cependant te montre c'est pas tout petit Abraham yo. D'ailleurs, Ismaël qui était premier petit, il va faire partie des catégories. C'est Isaac qui deuxième petit qui t'a fait catégorie. Et l'autre équipe petit, Jacob, t'a fait après la mort de Sarah, yo, Timon sa yo, yo pas fait partie cela, ça veut dire yo entré dans cadre sa yo, il est les païens. Les païens, et c'est ça que frères et sœurs, c'est tout à fait normal pour l'Éternel, Dieu d'amour qu'il pote, ya. Titre li pote comme le Dieu d'amour, hein. C'est normal pour ta trancher. Yon l'autre façon en faveur nos frères et sœurs et parole l'a montré très certainement nous voulons comprendre ça l'Éternel t'a pralé créer l'autre tuyau ça pour l'humanité côté que non même pas un que notre hérité noter nous pral entrer nous pral venir ça les enfants de Dieu et si l'autre tuyau c'est pas promesse yo t'a pral devenu les enfants de Dieu et route la pas de cabaye le vrai et bien nous même par la foi en Jésus-Christ nous pral joindre moment arrivé sur nous pour nous finir 36 76 58 73 41 20 74 33 c'est toujours un mon pasteur parmi les qui encourage vous mettez Paul bon Dieu en pratique théorie pas bon la vie éternelle c'est surtout pratique que bon Dieu bénisse.